Bonjour tout le monde. Bienvenue à tous les gens qui se connectent présentement. Bienvenue tout le monde. Bonjour, bonjour. Allô. Ah, il y en a plusieurs autres qui arrivent. On va tout admettre tout le monde. Bonjour. Donc, José, Diamant Bleu, Rando Mollo, Arnaud, Aurora, Brigitte, Bruno, Christine, Colette, François, Gilles. Hélène, Inc. OK, on a plein de beau monde. Isabelle Mailloux de Grabtree. Jean-Benoît, Jimmy, bonjour tout le monde. Bienvenue en cette belle soirée, beau webinaire qui commence. D'ailleurs, au fur et à mesure que vous arrivez, je serais vraiment heureux de savoir si vous nous. Je vais juste mettre la galerie pour tous vous voir. Si vous nous entendez bien, est-ce que le son est bon visuellement? Tout est beau? OK, ça c'est parfait. Ça commence bien. Et ensuite de ça, si vous voulez aller dans la petite bulle de chat en dessous, dans la petite bulle de chat en dessous, je serais vraiment curieux de savoir c'est quoi votre projet de vie collective? Peut-être que vous n'en avez pas encore, hein? Peut-être que vous n'en avez pas encore, mais juste par curiosité, est-ce que vous pensez à un éco-village? Est-ce que vous pensez à du co-living, simplement du bon voisinage? Quelle forme? Est-ce que c'est juste plus à travers un projet, peut-être une entreprise ou des choses comme ça que ça vous êtes curieux? Donc, juste avant de commencer, je serais vraiment curieux de savoir ça. Si vous voulez l'écrire dans le chat, je vais pouvoir vous lire aussi. OK, bon voisinage de Bruno. Co-living ou en communauté? Coopérative d'habitation, Monique. Encore en exploration, projet avec des amis en campagne, curieuse dans tout, éco-volage, éco-village, co-living ou éco-village, village écologique avec activités partagées entre aides, tout pour le bien commun, petite communauté. Cool. Vous êtes à la bonne place. Projet d'amis ou éco-village, éco-village, communauté, projet d'amis, co-living. Super. Bon, ben, bienvenue à tous. Vous êtes à la bonne place. Juste muet tous. OK, parfait. OK, oh, excusez-moi, je suis un petit peu déconcentré parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se rajoutent au fur et à mesure. J'essaie de parler, puis là, les gens embarquent au fur et à mesure. C'est parfait, on veut avoir le plus de monde possible. Content de vous voir. Même chose si vous êtes sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook avec nous. Donc, si vous voulez nous donner les commentaires en dessous. Je vais pouvoir vous lire à l'instant, voir ici les commentaires. Donc, je vais pouvoir vous lire aussi. Si vous avez le goût de nous dire aussi où est-ce que vous êtes dans le Québec, parce qu'il y a encore vraiment, là, ça vient par 10 à chaque 15 secondes, il y a 10 personnes de plus à admettre. Si vous voulez nous dire où est-ce que vous êtes dans le monde, juste avant qu'on commence, ce serait super. Donc, habitat écologique, partage, voir en grand nombre, je suis curieux, j'aime la communauté, j'aime l'écologie. Est-ce que l'enregistrement sera disponible? Oui, sûrement, Luc. On pourrait arranger ça. Les gens continuent d'arriver. Bienvenue tout le monde. Percé, Longueuil, Laurentides, Rive-Nord, Montréal. On a des gens de partout. Vancouver. Wow! Vancouver. Excellent. Bienvenue aux gens de Vancouver. Pointe-aux, Victoriaville, Montréal, à Québec. Montérégie. Excellent. Victoriaville, Montérégie. On a du monde de partout. Super. Très, très cool. Donc là, on va y retourner avec l'intervenant. Yes. OK. Donc, je pense. Ah non, il y a 10 personnes qui viennent d'arriver. Je suis vraiment désolé. Je suis obligé de faire ça en même temps. Bienvenue à tout le monde. Vraiment content de vous voir en si grand nombre. Vraiment heureux de pouvoir partager ça avec vous ce soir. C'est un beau moment parce que ça fait. Je parlais de ça justement tantôt avec Nevesna. C'est un projet qu'on a depuis à peu près un an de commencer à avoir des formations externes, donc des formations qui ne sont pas faites nécessairement par les gens à l'interne de Solutionnera, mais qui se rajoutent dans le membership de Solutionnera et donc qui seront accessibles pour tous les membres du membership. Et si vous n'êtes pas encore membre, on va vous montrer à la fin comment devenir membre. Et si vous êtes membre, vous allez voir que sur la plateforme, il y a une formation qui s'est ajoutée. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle est tantôt. Mais ça va être super intéressant. Donc, aujourd'hui, justement, on est en présence de Nebesna Fortin, qui va nous parler, dans le fond, de la formation qui va être lancée aujourd'hui même, qui s'appelle Vivre en communauté.
Et juste avant qu'on commence, Nebesna, moi j'ai la chance de la connaître depuis un petit moment, mais je ne sais pas, peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Donc, je vous la présente brièvement. Nebesna Fortin est née à l'éco-village de la Cité écologique. Si vous nous suivez à Socionora, vous connaissez sûrement la Cité écologique. Oh, il y a des gens qui parlent, on va muer. Excusez-moi. OK. Excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire en même temps. Si vous nous suivez, Socionora, vous connaissez sûrement la Cité écologique. On a fait plusieurs vidéos avec eux, entre autres sur leur serre solaire passive qu'ils utilisent à l'année pour faire pousser de la nourriture là-bas. Donc, vous avez sûrement vu certaines vidéos. C'est le plus vieil éco-village du Québec. C'est un exemple à travers le monde. Donc, vraiment un endroit super. Un milieu ancré dans un mode de vie éco-communautaire qui l'a vu grandir. Adulte, elle décide de s'impliquer dans le développement de l'éco-village. Elle occupe le poste d'agente de développement durable de la Cité écologique depuis 2011. En 2013, elle devient la représentante canadienne du réseau international NextGen, qui désire rendre accessible à la nouvelle génération l'expertise des décennies d'expérience de vie en éco-village à travers le monde. Donc, toutes les expériences qu'ils ont eues et qu'ils peuvent partager. Et complète son parcours en suivant le cours Eco-Village Design Education à Finehorn, qui est un autre éco-village très connu là, en Écosse. Depuis, elle offre cette formation ici au Canada. Alors, bonjour Nebesna. Il va falloir que tu réouvres ton micro hein, parce que j'ai dû... Oui, OK, parfait, super. C'est bon. Bienvenue. Bienvenue Nebesna. Ça va bien? Oui, vraiment très contente d'être avec vous tous ce soir. Yes, les gens continuent d'arriver en grand nombre. C'est vraiment le fun de voir ça. L'intérêt est là. Donc, très content que tu sois là, Nebesna. D'ailleurs, donc c'est ça. Aujourd'hui, tu nous présentes la première des formations externes de Socionora. Félicitations d'ailleurs. C'est un plaisir de faire ça avec toi. Je suis très content que ce soit cette formation-là qui ouvre le bal. Et donc, qui va porter sur le vivre ensemble. Donc, parle-moi un petit peu des motivations. Dis-nous un petit peu plus sur les motivations que tu as eues de faire cette formation-là et de le faire aussi en collaboration avec Socionora. Oui, bien, moi, dans le fond, comme Francis m'a présenté, je suis vraiment passionnée de la vie en éco-village. Mais au-delà de ça, ce qui m'intrigue particulièrement et ce qui me fascine et qui m'intrigue toujours, c'est le vivre ensemble. Comment est-ce que des gens peuvent arriver à trouver leur unicité, mais partager un quotidien avec des gens qui partagent des valeurs, des intérêts communs. Alors, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le réseau des éco-villages. Donc, c'est au-delà de juste les éco-villages, mais vraiment dans l'ensemble des communautés. Alors, ça fait plusieurs années qu'on collabore avec Solutions ERA. Quand ils ont parlé d'une formation, mais je me suis dit, ah, ça y est, c'est une belle opportunité de continuer notre collaboration. Et pour moi, c'était important de commencer avec un sujet qui était très accessible, qui était souvent ce que les gens me posent comme question aussi, mais comment qu'on fait pour vivre ensemble et pas nécessairement à l'échelle de toute une communauté, une grande communauté ou un éco-village. Nous, à la Cité écologique, on est 90 personnes. Alors, des fois, quand je dis ça, les gens font comme « Oh, c'est trop gros! C'est pas accessible pour moi! » Donc, c'était vraiment important pour moi de transmettre mon expérience du réseau des communautés, mais dans des outils qui sont accessibles à des gens qui veulent faire une petite collaboration, que ce soit 2-3 collaborateurs ou vraiment à l'échelle plus grande d'un cohabitat ou même éventuellement d'un éco-village. Mais pour cette formation-là, on s'est vraiment concentré sur l'accessible, les incontournables, peu importe le nombre de personnes dans la communauté, ces éléments-là vont ressortir. Yes! Fait que si j'entends bien, c'était vraiment ça, l'intention du programme, puis tu en rajouteras s'il y en avait d'autres aussi, mais l'intention fondamentale, c'était d'offrir, on pourrait dire, une sorte de fondation ou une base à n'importe qui a ce désir-là, et à n'importe quelle échelle, ça fait comme la fondation, le point de départ. Exactement. C'est vraiment les éléments de base. Vous n'avez pas besoin d'être déjà dans un processus de création, d'avoir plein de choses claires. Je voulais vraiment que ce soit accessible à tout le monde qui a envie, puis que
que ça soit présenté de façon réaliste, parce qu'on le sait que c'est dans les plus grands défis des communautés qui ne perdurent pas à travers le temps, c'est l'aspect humain. Fait que d'être sûr qu'on a le petit coup de pouce pour partir du bon pied, ça va aider à augmenter les statistiques de réussite de projets communautaires. Yes! Excellent! Très bonne, très, très. Je trouve que c'est un objectif noble. Puis moi, ben moi, comme tu sais, nous, on vit en communauté aussi à beaucoup plus petite échelle que vous. Mais je crois qu'il y a tellement de beaux avantages sur beaucoup de plans et à la fois, justement, qu'il peut avoir des défis, surtout quand on n'est pas bien outillé. Alors, je crois que ça va faire une différence super importante. Puis qui mieux que toi, qui littéralement, à moins que je me trompe, tu es né là-bas, hein? Tu es né dans un éco-village. Oui, j'ai la certification fait en éco-village. Québec vrai. Éco-village made. Vrai. Donc, mais j'ai visité à peu près 36, je pense que je suis rendue, je recompte 38 ou 39 éco-communautés à travers le monde. Ouais. Wow! Fait que ça fait partie justement dans ce cadre-là où est-ce que c'est tellement une de tes passions? Tu es allé en visiter. Dans quel objectif tu allais visiter ces éco-villages-là? Dans quel cadre, mettons? C'est un petit peu différent à chaque fois, mais c'est toujours avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'observation. Comme je vous disais, ce qui me passionne, c'est vraiment le vivre ensemble. Donc, c'est quoi les éléments similaires d'une communauté à l'autre? C'est quoi les approches différentes pour répondre à ces éléments-là incontournables? Et simplement rencontrer des gens. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Ouais. Je comprends. Très cool. Donc, là, on parle de ces fondations-là. Peux-tu nous parler un petit peu, qu'est-ce qui t'a guidé dans les sujets que tu as choisi d'inclure dans la formation? Parce que je sais que, justement, quand on t'a demandé de faire ça, c'était ça le grand défi. Ouais. Toi, tu es habitué de donner une formation de un mois. Alors là, on a 5 heures, ou je ne sais pas, entre 3 et 5 heures, quelque chose comme ça. On a pas mal bien fait ça, là. 5 heures, cool. Peut-être tes corps, là. Si tout bien vos devoirs. Parfait, super. Donc, qu'est-ce qui t'a guidé à choisir quel sujet, il valait vraiment la peine d'être dans cette formation-là versus d'autres et tout ça? Ben, je suis un petit peu partie des questions qui me reviennent tout le temps. Ça ne me dérange pas de me répéter, mais là, ça fait 10 années, puis des fois, j'ai peur d'en oublier. Oui. Fait que là, je me dis, c'est parfait. On s'arrête, on a écrit comme il faut. Les questions les plus récurrentes. Sauf que parfois, je ne peux pas répondre à une question parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir avant. moi, j'aime bien dire que il n'y a pas de livre, il n'y a pas de manuel bâtir une communauté. Parce que c'est tellement unique à ce que les gens veulent faire, puis dans quel cadre ils veulent dessiner leur collaboration. Donc oui, j'ai visité beaucoup d'éco-villages, de communautés, j'ai mon expérience. Fait que j'ai une expérience que je peux vous apporter, mais ce que je peux vous apporter de plus beau cadeau, c'est de l'écoute, puis encadrer votre discussion, votre réflexion pour l'amener vers trouver les meilleures solutions pour vous. Alors ça, c'était mon défi un petit peu avec la formation. Puis Francis, il sait, j'aime pas ça me filmer parce que je trouve que c'est figé puis que la vie en communauté, c'est pas figé. Mais que je me suis dit, OK, bâtissons les bases pour qu'on parle le même langage puis qu'après ça, une fois que ça, c'est bien clair, mais que les gens peuvent faire leur devoir, puis après ça, ben, on trouvera une façon avec le mentorat ou peu importe, d'accompagner vraiment les gens dans leur projet spécifique. Mais ce que je vous ai mis dans les vidéos, c'est vraiment ce que... Là, il faut se parler le même langage. Vous, moi, mais aussi entre membres de la communauté, pour être sûr que vous axez, vous mettez votre attention sur les bons éléments. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, c'est encore une fois, on revient au fait que c'est des fondations qui vont nous permettre de soit, si c'est un projet à, disons, plus petite échelle, peut-être que ça va être suffisant pour commencer, alors que si par exemple, on veut quelque chose d'un petit peu plus engageant et tout ça, on pourrait commencer avec ces bases-là et en plus avoir du mentorat ou des formations plus avancées avec toi par la suite. Oui, puis ce qui est sûr, c'est que quand moi je vous parle des éco-villages, on parle de 4 grands volets bien distincts. Donc, le volet social, le volet économique, le volet écologique et le volet vision du monde
qui inclut notre culture, notre spiritualité, notre relation aux autres. Fait qu'on n'embarque pas là-dedans parce que je ne voulais pas justement que les gens se disent « Ah, ben on s'en va, je ne veux pas construire un éco-village. » Fait qu'on s'était vraiment concentré sur la base des éléments sociaux. Puis même encore là, dans la société, vous allez, dans le volet société, vous allez pouvoir faire appel à d'autres personnes. Je pense que dans vos formations complémentaires, vous allez avoir aussi la prise de décision, la monocratie. Donc, ça aussi, c'est des outils exceptionnels qui vont venir compléter. Puis je ne voulais pas que ça soit en compétition, mais vraiment en collaboration. Ouais. Yes, excellent. Donc, t'as-tu, est-ce qu'on peut... voir peut-être, ou peut-être tu pourrais nous introduire à certains des sujets, tu sais, comme en gros, là, comment on survolerait cette formation-là pour justement que les membres qui sont en train d'écouter premièrement ou les gens qui hésitent à devenir membres et qui aimeraient peut-être devenir membres comprennent comment, comment c'est structuré, ce qu'ils vont en prendre. Bien, en gros, dans le fond, on a structuré ça autour de commencer par clarifier c'est quoi vivre ensemble pour être sûr que des gens parlent le même langage. Vous allez voir que j'aime ça être bien précise et travailler différents. Des fois, amener le même point sous différents angles pour être sûr qu'on parle la même chose. Fait qu'on commence par clarifier simplement ça. Puis ensuite, pour moi... Je vais rajouter qu'il y a une raison à ça, je pense. Ça vient de ton expérience. En tout cas, moi, j'ai une expérience similaire. Ou est-ce que c'est parce que j'en ai vu tellement des groupes de gens qui se rassemblent et disent « Ah, c'est facile, on veut tous vivre dans l'amour et la paix et la joie. » Fait que c'est comme facile à dire ça. Mais lorsqu'on est dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, c'est comme il faut être sûr qu'on veut le dire la même paix, la même joie, puis le même plaisir et tout ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça? Là? Ben oui, dernièrement, j'ai accompagné un groupe et il disait « On veut bâtir le nouveau monde. » C'est merveilleux, tout le monde sur la Terre veut bâtir le nouveau monde. » Mais votre définition du nouveau monde va cibler avec qui vous allez travailler. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. Au début, c'est juste mettre les bases, parler simplement, tu sais, juste le fait de clarifier c'est quoi une cohabitation, plus une colocation, plus si c'est un éco-hameau, un éco-pillage, etc. J'ai essayé de vous donner quelques mots autour de ça. Puis ensuite, mais l'élément incontournable, ça a de l'air drôle, mais pour vivre ensemble, il faut bien vivre avec soi-même. Ça, on n'a pas le choix. J'aimerais ça vous sauver cette étape, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, ça, c'est le deuxième module. Simplement, apprendre à se connaître pour pouvoir, après ça, donner le meilleur de nous-mêmes dans nos relations. Puis, par la suite, on a un module qu'on a appelé « clarification », mais qui va être justement précisé, là, comme Francis disait, ce monde-là de paix, d'amour et d'harmonie, ça veut dire quoi? Ça se traduit en quoi? Dans des phrases, dans des éléments concrets, dans des projets spécifiques, sur quoi on met les énergies et qu'on travaille ensemble pour œuvrer. Oui. Ensuite, je vous ai comme séparé ça avec une petite section qui s'appelle les ententes, donc où on peut vraiment clarifier, OK, cette vision-là du monde meilleur, comment est-ce qu'on le vit dans notre quotidien, dans notre jour le jour. Et ça, actuellement, c'est le point sur lequel j'ai le plus de questions. Les gens qui veulent se partir, ils se disent « Ah, mais c'est quoi vos documents communs? » Donc, ça fait partie de ça. C'est des pistes de réflexion pour vous aider à mettre vos bases. Ensuite, il faut se parler un petit peu de dynamique de groupe, de sociologie, des cycles, des communautés qui arrivent. Donc là, je vous ai préparé quelques présentations, c'est un peu plus théorique, mais pour expliquer normalement quand on met des humains ensemble, qu'est-ce qui peut arriver et comment se sortir des fois de ces pièges-là ou de ces dynamiques qui peuvent s'insinuer dans notre relation. Et qui vont apporter une lourdeur si on n'en prend pas attention. Donc, ça, c'est un petit bloc que j'aime bien. Puis, ensuite, mais on est rentré un petit peu plus dans les détails du travail d'équipe, comment préparer un ordre du jour, comment organiser nos rencontres pour que ce soit efficace, à quoi faire attention pour être sûr qu'il n'y ait pas de perte de temps ou d'énergie, des choses comme ça. Et... après ça, je vous ai rassemblé
J'ai appelé ça bribe de sagesse. C'est peut-être un petit peu orgueilleux, mais bon, on m'a poussé là-dedans de mon jeune âge. J'ai quand même beaucoup d'expérience dans les communautés. Alors, c'est un petit peu l'expérience, le résumé des éléments que j'ai découverts et que j'ai envie de vous partager. Pour moi, j'aime bien dire souffler dans votre ballon, donc la rendre un petit peu, vous donner de l'espoir et en péter quelques-unes. Tu sais, dire, OK, ça, il faut être réaliste, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Si vous pensez à ça, ça risque d'être un petit peu une route sinueuse ou des choses comme ça. Alors, c'est mon petit partage. Yes. Puis à la fin, ben pour ceux qui ont plus envie d'avoir du vent dans les voiles et de se sentir inspiré, mais j'ai parlé de certains écovillages à travers le monde. Donc, des endroits que je trouve vraiment inspirants là, qui peuvent vous permettre de pousser vos recherches. Cool. Je partage l'écran en même temps. On va en reparler tantôt, mais ça montre là, la formation un petit peu, ce que tu viens de nous dire, dans le fond, avec les différents modules, les différentes sections qui sont là et le réseau des écovillages à la fin. Excellent! Merci beaucoup, Nebesna. J'ai eu une bonne question qui fitait bien avec... j'ai reçu une bonne question dans le chat qui allait bien avec le prochain sujet que je voulais aller. Donc, c'est par rapport à... Tu sais, dans le fond, ben, premièrement, il y avait deux questions. Là. Une que je vais répondre tout de suite. Combien de temps ça va durer ce soir? C'est pas un long webinaire ce soir, peut-être encore un autre 20-25 minutes à peu près. Là. Donc, vers 7h45, 8h, on devrait avoir terminé, tout dépendant combien de questions il y aura des gens. Mais on devrait être dans ces environs-là. Par contre, la formation, on en a parlé, elle dure environ 5 heures. Et c'est quand le meilleur moment de faire cette formation-là par rapport à son processus? Tu comprends-tu? Comprends-tu bien la question? Oui, OK. Je pense que la formation peut vous être utile vraiment n'importe quand, franchement, parce que j'ai essayé de la faire de façon à ce que même si là, vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez faire les exercices et ça va vous guider dans la direction de trouver des gens qui vont partager les mêmes intérêts que vous. Je l'ai conseillé à certaines personnes que je sais qui travaillent ensemble depuis longtemps. Puis, vous allez voir, dans la formation, il y a des petites vidéos explicatives, mais on vous a vraiment préparé des petits devoirs pour vous faire travailler. Mais c'est comme ça qu'on intègre les notions. Donc, soit pour vous, vous aider à clarifier votre processus puis vraiment cibler les éléments importants pour vous, ne serait-ce que même peut-être dire « Oups, ça, c'est pas accessible pour moi, je vais peut-être plus viser ça ». Puis, ça peut être fait vraiment plus tard dans le processus. Donc, si vous avez déjà 4-5 partenaires et que vous avez envie de regarder les vidéos soit ensemble, puis surtout de faire les exercices ensemble, vous allez en retirer vraiment aussi de très belles discussions, je suis sûre, à l'intérieur de votre groupe. Excellent. Donc, si j'entends bien... Dès qu'on commence à avoir cette idée-là, cette intention-là, même dans le fond, si on est juste à l'étape où est-ce qu'on se demande si ça nous intéresse puis qu'on aimerait peut-être en apprendre plus pour justement savoir « Ah oui, j'ai un intérêt pour le co-living ou quoi que ce soit comme ça », ce serait un bon moment. Et dès que j'ai une intention de le faire, là, ça devient quasiment un must. En tout cas, moi je trouve que dès qu'on se met en chemin, moi, j'aime bien dire s'asseoir sur les épaules des géants, c'est-à-dire s'asseoir sur les gens qui l'ont fait avant nous. Et rares sont ceux qui sont nés dans un éco-village et qui vivent encore dans l'éco-village et qui lead et qui s'occupent de la partie, justement, formation et tout ça, puis les échanges avec les autres éco-villages. Donc, c'est quand même, sans vouloir trop en mettre, une sommité dans ce domaine. Donc, ça vaut la peine d'aller s'inspirer avec toi. Très cool. Donc, aussi, une autre petite question qu'on avait, dans le fond... Ah oui, tu as nommé les devoirs tantôt. Ben, les devoirs, les missions, les petits exercices. Ça ressemble à quoi? C'est-tu très long? Peux-tu nous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble, puis combien de temps et tout ça?
J'aime ça être pédagogue dans le sens que je vous ai mis ça pas trop long, mais si vraiment vous êtes rendu dans une étape où vous bâtissez votre communauté, vous pouvez vraiment y mettre du temps. Là. Les questions, vous pouvez les approfondir, puis vraiment prendre le temps de réfléchir. Souvent, c'est des pistes de réflexion. Entre autres, apprendre à se connaître, ben, c'est vraiment de faire des liens avec ce que je vous ai parlé, puis vous cibler un petit peu, vous en êtes où. Fait qu'allez-y. Je pense que vous allez ressortir à la hauteur de l'énergie que vous allez mettre dedans les devoirs. Donc, vous pouvez le faire rapidement, vous pouvez regarder la formation, puis si vraiment ça vous intéresse, ben, je vous suggère de mettre plus de temps sur ces sections-là de réflexion personnelle, que j'appellerais. Puis, si vous voulez, ben, dans la plateforme, c'est possible de partager les réponses ou vos réflexions. Puis moi, ben, ça va me faire plaisir de vous répondre. Excellent, merci beaucoup. Puis d'ailleurs, puis là, ça s'adresse un petit peu à nos membres, mais ceux qui ne sont pas encore membres, on va vous montrer tantôt comment le devenir si vous avez le goût. Mais pour les membres qui auraient la chance de suivre la formation dès ce soir, en fait, si ça leur tente, ils peuvent aller commencer la première vidéo dès ce soir. Est-ce que tu as des recommandations pour eux, des choses que tu aimerais leur dire ou quelque chose que tu aimerais dire à ceux qui vont se lancer là, dans 10, dans 20 minutes, là, ils vont se lancer sur la formation? Ouais. Je vais copier une citation parfait, c'est correct. qui vient de la communication consciente. D'arrêter d'être poli et d'être vrai. Donc, plus vous allez répondre aux questions franchement, et là, je dis franchement, c'est vous par rapport à vous. Il y en a sûrement parmi vous qui ont écouté ma petite conférence dans la formation en ligne, là, sur vivre en communauté. Oui. Bien justement, c'est quand on explique les différents modèles de communauté, puis d'être vraiment à l'aise de dire « moi, actuellement, ce n'est pas pour moi » ou « moi, actuellement, je suis capable de partager ma vie avec des gens si j'ai ma cuisine, si j'ai ma maison, si j'ai mon terrain. » Ça va être vraiment important. Moi, ce que je trouve le plus dommage, c'est des gens qui me disent « ah oui, la vie en communauté, j'ai essayé puis j'ai haï ça. » Ou genre « ah, oh, quelle expérience atroce. » Ben, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a tellement de belles choses à faire ressortir, même si oui, ça peut être très complexe, très demandant humainement. Donc, la première étape, c'est d'être vrai avec soi, de dire « je suis capable de m'embarquer jusqu'à telle étape », puis il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de... C'est comme en développement personnel, on dit souvent qu'il faut sortir de notre zone de confort. C'est vrai, mais pas trop quand c'est notre vie. Il faut être capable d'en ressortir une expérience qui va être positive et qui va vraiment nous avoir fait grandir et nous avoir fait goûter à la beauté du vivre ensemble. Donc, moi, c'est ça mon conseil, c'est allez-y avec toute acceptation de où vous en êtes. Puis, il n'y a pas d'objectif à dire « ben, faut que je me rende absolument là ». C'est comme « ah, ben, je vais faire un petit pas dans la direction du vivre ensemble, puis je vais en ressortir plus enrichi. » Merveilleux. Écoute, je partage mon écran quelques minutes pour montrer aux membres ou aux gens qui pourraient peut-être s'inscrire comment se rendre à la formation et comment aller la voir. Et tout de suite après, on va commencer à répondre. J'ai des super bonnes questions qui ont été posées dans le chat. Donc, dès qu'on va avoir montré ça, on va aller ensemble explorer ces belles questions-là. Vraiment, il y a des super, super questions. Donc, vous voyez tous mon écran? Me faire un petit plus, vous voyez mon écran? Donc là, on est dans la plateforme. J'en reconnais plein d'entre vous là, qui a des membres déjà, mais pour ceux qui ne le sont pas, ça, c'est la nouvelle plateforme de Solutionera avec les trois facultés. Une qui est encore en construction, Entreprise consciente. On va avoir les premières formations cet automne et les grands programmes au printemps prochain qui sortent. Sinon, Vie inspirante qui est bien développée, Habitation écologique qui est le plus développé de tous. Et la formation, la nouvelle formation de Nebesna est justement dans Habitation écologique. Donc, on a juste à aller cliquer dessus. Oups, excusez-moi, j'ai trop cliqué fort. On a juste à aller cliquer dans Formation Habitation écologique.
et va apparaître, excusez, quand que je roule un Zoom puis d'autres choses sur Internet et en même temps la plateforme, c'est un petit peu plus lent, là, désolé. Donc, vous voyez, ça, c'est toutes les formations qui sont dans la plateforme. Lorsque vous devenez membre, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, soit parce que vous êtes tombé membre avec la section Vie inspirante ou que vous ne l'êtes pas ensemble, vous avez accès à toutes les formations qui sont là. Autonomie énergétique, serre d'abondance, visite inspirante, introduction au design de bâtiments écologiques, SketchUp. Le certificat en design, lui, est à part. C'est une formation plus avancée. C'est le gros programme, donc lui, est à part. Mais toutes les autres sont accessibles à ceux qui sont membres. Et la toute nouvelle, donc Vivre en communauté par Nebessina Fortin. Donc, c'est la formation que vous aurez accès, qui est juste ici. Et lorsque vous ouvrez, bien, il y a toutes les, tout le contenu qu'elle vous a partagé tantôt devient directement accessible. Donc, si vous avez le goût d'aller voir ça, je vous le recommande fortement. Une formation que moi-même, j'ai très hâte de... Elle est disponible juste depuis avant-hier. Donc, moi-même, je ne l'ai pas vue encore, mais ça ne sera tardé parce que moi, je vis en co-living depuis beaucoup d'années. J'ai été très impressionné par l'éco-village de la cité écologique où Nebessina vit de par leur manière de faire, de la qualité de l'environnement, c'est-à-dire de l'environnement qu'ils ont créé pour eux, les humains, mais aussi ce qu'ils font au niveau écologique. Donc, c'est vraiment très, très, très beau. Il y a beaucoup à apprendre de ça. Donc, je serai là certainement. Et je vais arrêter le partage pour le moment. Je vais vous dire aussi que si vous avez, si vous n'êtes pas membre, et en fait, dans le fond, c'est ça, je vais le partager, je suis mieux de le dire tout de suite, puis on le redira à la fin peut-être, mais on va aller répondre aux questions entre. Je repartage, désolé, j'ai fait un petit changement. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez venir sur cette page-là que Cathy va mettre dans le chat à l'instant. Et dans le fond, ça l'explique avec plus de détails tout ce qui est inclus dans le membership. Donc, toutes les formations de la faculté Vie inspirante, il y en a 6 au total qui sont ici. Toutes les formations de la faculté Habitation écologique qui sont ici et même certaines autres que vous avez vues dans la formation. Les nouvelles formations à venir, donc toutes les formations qui sont en train d'arriver. L'espace Vitalité qui est notre gym en ligne, cours de yoga, tai chi, mise en forme. Donc, c'est vraiment l'objectif du membership, c'est vraiment de rassembler pour un prix dérisoire, 37 $ par mois, tout ce qu'on a besoin pour créer la vie et le monde qui nous inspire, en fait. Donc, autant la vie que ce que l'on désire créer. Et ça va être au niveau entrepreneurial parce qu'il y a entreprise d'impact qui s'en vient, entreprise consciente, cette section-là, vie inspirante et habitation écologique. Mais habitation écologique, c'est dans son sens large. Donc, ce n'est pas juste habitat. Oui, c'est habitat, mais c'est habitation. Excusez-moi, pas juste habitation au sens juste la maison, mais c'est l'habitat que l'on crée et que l'on co-crée qui va être vu. Du coaching, des webinaires avec nos experts à chaque semaine, presque à chaque semaine, il y a un webinaire, soit avec moi ou avec un autre expert, des masterminds qui sont là, la série d'experts qui font partie de ça. Il y en a plusieurs autres encore, mais rapidement, ça vous donne une idée. Quelques témoignages, si vous avez le goût d'aller voir ça. Et comme j'ai mentionné, c'est 37 $, mais en plus, c'est en vrai, c'est gratuit parce que vous donnez 37 $, mais nous, on les transforme en 37 points. Et ces points-là, c'est littéralement des dollars solutionnera. Ces points-là, vous pouvez les utiliser pour acheter n'importe quel de nos gros programmes, nos formations plus avancées qui sont habituellement entre 1 000 et 2 000 nos programmes complets. Vous pouvez également utiliser ces points-là pour le coaching. Si vous voulez faire du coaching avec, on a 7, 8, 9 coachs maintenant, qui peuvent vous accompagner dans vos projets d'habitation, de communauté et toutes ces choses-là. Donc, c'est possible d'utiliser ces points-là pour ça également. Donc, si vous avez le goût, je vous encourage à aller voir ça. On va mettre le lien de cette page-là dans le chat sur Facebook et dans le chat sur Zoom. Tu me confirmeras, Cathy, que c'est fait. Et en attendant, on va aller voir les questions qu'on a reçues. Donc, c'est parti. On en a une très bonne ici. Je vais commencer avec ça. Donc, est-ce que vivre... OK, c'est très bon ça. De Arnaud. Est-ce que vivre en communauté signifie aussi sortir du système actuel? Oui et non. Dans le sens que c'est
à vous en tant que communauté de décider à quel niveau vous voulez le faire. Mais je crois que c'est définitivement un pas dans la direction de prendre en main notre mode de vie, une partie de notre gouvernance, une partie de notre responsabilisation, une partie de notre autonomie, une partie de notre résilience. Alors, pour moi, oui, c'est un pas dans cette direction-là. Ça dépend comment vous posez la question, dans le sens qu'il y a des gens qui veulent totalement se couper de la société actuellement. Moi, ce n'est pas nécessairement ça que j'encourage, mais je trouve qu'il y a comme une échelle de collaboration, puis on peut collaborer au niveau qui nous convient. Mm-hmm. J'adore comment que tu le nommes. Je veux juste nommer une chose, on est désolé. Je viens d'apprendre qu'on a busté notre limite de Zoom. Habituellement, on a une limite plus haute que juste 100. Mais à ce qui paraît, là, on avait 100 comme limite ce soir, malheureusement. Fait que là, les gens ne peuvent plus rentrer parce qu'on est 100 depuis un bon bout de temps. Les gens qui ne peuvent pas rentrer, on vous encourage à aller sur Facebook en attendant. Malheureusement, je ne peux pas communiquer avec vous parce que vous êtes ni sur Zoom ni sur Facebook, pardon, mais en backup, c'est d'aller sur Zoom. Sinon, on va avoir la rediffusion également. Donc, désolé pour ça. C'est un petit... on va s'assurer que ça n'arrive pas la prochaine fois. D'habitude, on a jusqu'à 250 personnes sur Zoom, mais là, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça ce soir. Donc, merci beaucoup pour la réponse. C'était vraiment très constructif. Et juste, il y a quelqu'un qui parle. Donc, je t'ai mis à muet encore. Je suis désolé parce qu'il fallait que je mette tout le monde à muet en même temps. Tu vas pouvoir revenir après. Mais ce que je trouve vraiment beau dans ce que tu as dit, c'est le fait que sans nécessairement avoir un désir de coupure complète, quoique quelqu'un pourrait avoir ce désir-là, mais votre communauté, l'éco-village de Hamnor, la cité écologique, vous êtes vraiment un exemple de des gens qui ont pris vraiment en main beaucoup d'aspects, incluant jusqu'à une importante partie de la production de votre nourriture, de votre économie aussi, une économie complète. Donc, c'est quand même très, très impressionnant ce qui a été fait de votre côté. Alors, félicitations vraiment. Oh. Est-ce que vous m'entendez bien, les gens? Un petit peu, si vous m'entendez bien? Oui, OK. C'est bizarre parce que... OK, peux-tu parler, Nebesna? Juste pour être sûr que ça revienne. Okay. Moi, je vous entends bien. OK, super. C'est juste que ça avait disparu sur le Facebook. Donc, mais depuis que tu as parlé, tout est revenu. Donc, c'est super. All right. Donc, félicitations vraiment. Je trouve que c'est que des fois, on tend à vouloir... tu sais, s'il y a des choses qu'on aime moins dans la société telle qu'elle est présentement. Et c'est facile de tomber dans comme le rejet, le jugement ou la séparation complète. Puis je trouve que c'est correct de faire ça. Mais je trouve qu'il y a des beaux hybrides, il y a des belles manières de faire. Puis après ça, comme tu le dis, c'est le niveau qu'on choisit d'atteindre parce que le niveau que vous avez réussi à atteindre, vous autres, ce n'est pas quelque chose qui se ferait du jour au lendemain. Hein? Vous avez combien d'entreprises sur les lieux, vous, dans votre éco-village? C'est ça. Je rappelle, on est 90 membres à peu près. On a 8 entreprises. Donc oui, on a cette autonomie-là et cette capacité-là d'être en marge, mais on est aussi très proche à d'autres niveaux parce que pour nous, c'est important de contribuer au bien-être des membres de la communauté, mais aussi des gens qui sont autour de nous. Donc, de pouvoir partager cette expérience-là et pouvoir bénéficier de beaucoup de belles activités et de ressources aussi. Pour nous, ça, c'était important. Excellent. Une autre question. Donc, comment trouver des personnes ou, tu sais, dans le fond, des personnes, un groupe qui a envie de la même chose que soi? Existe-t-il un Tinder des communautariens potentiels? Oh, on le souhaite! Ça, c'est un projet que plusieurs personnes ont essayé de porter. Ça va arriver. Pour l'instant, il y a quand même beaucoup de matchmaking qui peut se faire sur le groupe Facebook Futur Éco-Village. Moi, je travaille quand je peux, c'est-à-dire pas l'été dans les conserves et les récoltes, sur une plateforme qui s'appelle Éco-Village Québec, où il va pouvoir avoir de la mise en contact. Et j'ai entendu parler de l'Atrium,
où j'ai vu qu'il y avait un bon répertoire, mais je ne sais pas comment ça fonctionne pour le jumelage. Puis sinon, j'ai des amis qui font des groupes de discussion sur les éco-communautés presque à chaque mois. Alors ça peut être une belle façon de rencontrer des gens aussi. OK. Très cool, très cool. Puis ça, je peux-tu juste renommer le groupe Facebook parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient peut-être intéressés par ça? Futur Éco-Village. Futur Éco-Village. OK, parfait. De la chaîne Futur Éco-Villageois Recherché TV. Ils ont fait plusieurs vidéos, là, entre autres, ouais, très proches de Solutions RA là, sur certaines Futur maisons. Futur Éco-Villageois, oui. Tu as des anciennes étudiantes aussi. Est-ce que les villes acceptent les villages écologiques si, par exemple, on veut partir un projet de mini-maison? Question de Jacinthe. Oh, wow! c'est dans les autres projets. De là, l'importance de collaborer avec les municipalités, avec les agents de développement, pour que de plus en plus, ça soit accessible. Pour les mini-maisons, il y a quelques projets qui ont été faits. Entre autres, il y a un éco-quartier de mini-maisons à Sherbrooke. Donc, il y a jurisprudence. Donc, c'est plus facile parce que graduellement, ça commence à s'établir. Mais moi, je mets un gros point d'exclamation, faites attention, parce que chaque municipalité, c'est différent. C'est pas parce que c'est accepté à un endroit que automatiquement ça va être accepté à un autre. Je prends l'exemple très simple de la serre. Tu sais, nous, on voulait faire la serre solaire passive, puis on a voulu la faire en pneu, puis c'était vraiment compliqué chez nous. Fait qu'on a une belle serre solaire passive, mais avec une structure de serre plus conventionnelle avec des arches. Donc, il faut quand même s'assurer de bien trouver la municipalité. Il y en a des municipalités ouvertes. Il faut trouver les municipalités avant même d'acheter le terrain, là, je dirais. Puis ça, c'est si on veut apporter des choses qui soit ne respectent pas le code du bâtiment, ben, en fait, le code du bâtiment, ou soit qui ne respectent pas le plan de développement. Comment, excuse? Oui. Le plan de développement met beaucoup le zonage, qui limite beaucoup exact. Au Québec. Les projets d'éco-communauté, c'est le zonage qui va sûrement être vert ou qui va être résidentiel ou qui va être commercial. Puis dans une éco-communauté, on va vouloir essayer d'avoir tout ça ensemble. Donc, c'est du ça logement, le problème. Et des jardins et des entreprises. Exact. Ouais. C'est ça qui rend ça plus difficile. Ouais. Mais en Ontario, là, s'il y a des avocats là, qui nous écoutent, là, en Ontario, il y a un zonage d'éco-village et en Colombie-Britannique. Mais au Québec, il faudrait marier ça avec la protection du territoire agricole. Donc, ce serait un dossier à prendre par une firme d'avocats. OK. Donc, un beau dossier pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Excellent. Combien ça coûte en argent là, pour joindre un éco-village existant? Contribution à l'adhésion du coût annuel selon notre contribution de temps, je suppose. Donc, sais-tu comment ça fonctionne, c'est ça, financièrement, là, pour joindre un éco-village qui existe déjà? Chaque communauté, c'est extrêmement différent. Alors, ça fait partie des points que je vous mets dans les clarifications de cibler quel modèle économique vous voulez avoir. À partir du moment que les communautés s'organisent autour d'un certain modèle économique, ça va avoir des répercussions particulièrement sur l'accueil de nouveaux membres et sur la transition de membres, donc les membres qui vont quitter, puis cette rotation-là. Alors nous, à la Cité écologique, on ne demande aucun investissement. On a appris ça de notre expérience, de certaines erreurs du passé, mais disons qu'on peut le faire parce que c'est un éco-village de 38-39 ans. Donc, les gens sont vraiment à l'essai pendant un temps. C'est sûr que là, nous, on a la capacité d'accueillir des employés sur place. Donc, les gens travaillent sur place et de ça, ils ont les revenus pour payer le logement, la nourriture, les frais, tout ça. Mais c'est très différent si vous en allez dans un éco-hameau, exemple, où les gens sont propriétaires chacun de leur maison. Ça va être des montants qui vont varier. Ou en cohabitation, comme dans l'Oasis là, avec Francis. C'est vraiment des modèles différents. Là. C'est ça. Tandis que chez nous, par exemple, autant les Oasis que l'on construit pour le moyen terme, long terme,
dans le fond, il loue une chambre, donc il loue, ben, il loue une suite, en fait, avec salle de bain et tout ça, puis qui leur permet d'avoir, tu sais, dans le fond, il y a Internet, tout ça, fait que la plupart travaillent soit en ligne ou ils n'ont pas besoin d'aller au travail souvent, tu sais, une journée semaine, deux journées semaine, fait que ça leur permet de rester plus souvent, mais c'est ça, vous avez des entreprises physiques concrètes sur les lieux, les gens peuvent, donc il y a l'aspect économique qui est inclus dans votre projet. Ce qui n'est pas toujours le cas dans ces projets-là de vie commune écologique, par exemple. Non, c'est ça. D'ailleurs, ça répond un petit peu à la prochaine question. Je te la pose quand même de Isabelle Tremblay. Est-ce qu'on peut intégrer un éco-village ou une éco-communauté existante ou bien c'est l'œuvre de pionniers qui demeure exclusive à ceux qui leur sont proches? Non, c'est tout à fait possible d'intégrer une communauté. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'effectivement, les pionniers qui sont là ont mis beaucoup d'énergie, d'efforts, de temps. Donc, des fois, il y a des gens, ça me fait toujours rire, vers le 1er juillet, toujours des gens qui nous appellent. « Je déménage, là! Je peux-tu arriver chez vous? » Ça se fait pas. C'est vraiment une histoire de cœur. Il faut apprendre à se connaître. Moi, je dis que c'est comme en amour, là. Il faut apprendre à se connaître, il faut avoir des dates, il faut savoir si ça marche d'un côté puis de l'autre. Donc, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Pour vous donner un exemple, sans vous décourager, pour joindre la Cité écologique, ça prend 3 ans. Donc, un an de dating, un an de test, un an quand même pour après ça bien connaître les bases, avoir accès aux rencontres, etc., etc. Donc, c'est un processus qui peut être long, mais qui mérite d'être fait si vous voulez joindre une communauté qui est déjà existante. Ça vient aussi avec une richesse puis une infrastructure qui est déjà plus stable. Mais c'est des profils de gens très, très différents. Les pionniers, puis les gens qui vont venir soutenir la continuité d'un projet. C'est pas nécessairement tout le monde qui a l'énergie de démarrer une éco-communauté. Alors, c'est parfait, il faut en joindre. Mais au Québec, l'offre est belle, mais pas encore très, très grande. Donc, il faut qu'il y en ait qui se démarre. Mm-hmm. Oui, exact. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est 3 ans joindre la communauté, mais on s'entend que dès le début, ils passent beaucoup de temps avec vous. C'est juste qu'ils ne sont pas des membres, tu sais, à part entière, un petit peu comme, mettons, qu'on comparerait ça à une entreprise. Tu n'arrives pas jour 1, employé, tu sais, jour 1, puis c'est toi qui prends toutes les décisions. Là, de l'habitude, il y a comme un... on va chercher sûr que tu es la bonne personne, on va donner des rôles et tout ça, puis à un moment donné, tu as accès à tout comme tout le monde, mais tu sais, on ne commence pas avec tout d'un coup. Puis, mais 3 ans, ça peut paraître long, mais par rapport à créer une communauté de ce type-là, je veux dire, 3 ans, tu es encore dans la phase mentale à essayer de trouver le terrain, puis tu sais, c'est très long à faire. Oui. Cool. Est-ce que cette formation est incluse dans le membership ou doit-on débourser un supplément? Donc, non, ça fait partie des formations. Vous allez en avoir des nouvelles à partir de maintenant. Il va en avoir une nouvelle à chaque mois. Une formation d'un expert externe de 3 à 5 heures comme celle-ci. Donc, on appelle des micro-formations de 3 à 5 heures. Il va en avoir, dans le fond, une par mois qui va vous être délivrée, qui va vous être offerte. Et c'est inclus pour les gens qui sont déjà dans le membership et pour les gens qui veulent en faire partie. Bien, dès que vous devenez membre, vous avez accès à toutes les formations de Solutionnera à la carte et plus cette formation-ci et les autres qui s'en viennent également. Donc, c'est vraiment cool pour ça. Louis, est-ce que la formation se fait en groupe ou individuellement? La formation. Donc, tantôt, on en parlait un petit peu. Vous pouvez vraiment le faire simplement à votre rythme. Si vous avez déjà des collaborateurs dans votre projet, vous pouvez aussi le faire à votre rythme. Mais après ça, je vous invite à partager les résultats de chacun des modules, où vous en êtes, qu'est-ce qui vous a marqué. C'est une belle façon d'intégrer la notion aussi, là, d'en reparler avec des gens. Ouais. Mm-hmm. Arnaud nous demande, entre éco-village, est-il possible de faire des transferts de personnes pour aller expérimenter différents éco-villages, différents styles de vie? Ça, c'est...
C'était un de mes rêves avec NextGen de se faire un passeport d'éco-village reconnu à l'international, puis là, genre, qui donnait des passe-droits. oui, un peu, ça se fait informellement, mais actuellement, disons que ça se fait plus dans certains éco-villages qui ont déjà fait des ententes au préalable. Nous, on l'a fait avec quelques communautés, une en Italie, en Écosse, Finhorn, où j'ai suivi ma formation. En Californie, une grosse communauté qui s'appelle Ananda Village, puis en Alaska, il y a une communauté là-bas aussi. Donc, ça peut se faire, mais disons que c'est plus à l'intérieur de réseaux, à l'interne du réseau des éco-villages. Oui. Mais c'est très enrichissant. Puis sinon, c'est quand même possible pour quelqu'un, tu sais, je connais quand même des gens qui, mettons, ne sont pas dans un éco-village, mais tu sais, la plupart des éco-villages ont un certain option, tu sais, de venir vivre ou expérimenter ou voir pour quelques jours, une semaine, 2 semaines. Donc, des gens qui font des tournées un petit peu d'éco-village, soit à travers le monde ou ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Oui, mais la plupart, on a des genres de woofer, Ouais, c'est un ça, des woofers, échange nourri-logé. Il y a certaines communautés qui demandent quand même un petit paiement, là, mais c'est tout à fait possible. Par contre, pas n'importe jamais se présenter sans rendez-vous parce oui, bien que les entendu. communautés sont très en demande. Comme nous, on a Oui. une bonne liste d'attente. Puis, c'est important de respecter aussi les rythmes de la communauté. Alors, exemple, ici, l'hiver, on ne reçoit pas de stagiaires. Donc, ça, c'est des gens qui viennent faire l'expérience, justement, nourri-logé. Mais l'été, oui, mais on a une capacité d'accueil. Fait que, on prend des gens sur demande. Ouais. Mais, ouais, toujours Cool. moyen de, si on est patient, de trouver une bonne façon d'aller l'expérimenter. Ouais. Excellent. Est-ce que le quartier de mini-maison dont tu parlais à Sherbrooke est considéré comme un éco-village? Quant à moi, c'est vraiment ce que j'appelle les éco-hameaux. Donc, c'est les gens qui ont leur propre maison et qui partagent certains espaces, certains intérêts. Où je fais la différence, c'est au niveau de la gouvernance. Donc, comment est-ce que les décisions vont être prises ensemble? Comment est-ce que la collaboration va être tissée serrée? Alors, pour moi, c'est ça. Il y a une petite différence entre des gens qui poussent le bon voisinage avec plus de partage puis de projets, puis des gens qui sont vraiment en éco-village au sens où ils sont membres de la communauté dans son ensemble plutôt que juste propriétaires d'une bâtisse. Mais, ceci dit, je ne suis pas allée sur place, mais c'est ma compréhension du lieu. Oui, ça c'est une différence vraiment importante justement dans le choix de vie, qui est la différence, mettons, entre votre éco-village qui est définitivement le plus avancé, autant en années qu'en fonctionnement, sur le concept vraiment d'un éco-village comme complet, où est-ce que, tu sais, on peut vivre, manger, travailler et tout Travailler. ça, versus justement ce que nous on appelle justement l'éco-hameau ou le bon voisinage. Tu sais, bon voisinage, ça peut être littéralement des amis qui achètent des terrains à côté de l'autre puis qui choisissent de partager les poules puis des choses comme ça. Tu sais, par exemple, nous, il y a une communauté ici de 6 maisons. On partage 40 acres de terrain, un jardin commun, des arbres fruitiers, un poulailler. Et les outils, là, les outils, on n'a pas chacun notre tondeuse, chacun notre tout ça, là, t'sais, on partage tout ça, mais sans nécessairement travailler ensemble. T'sais, des fois, il y a certains de mes voisins que je peux ne pas voir pendant un bon bout de temps et tout ça. Puis il y en a d'autres que je suis plus proche parce qu'il y a en plus des affinités plus amicales et tout ça, mettons. Mais tu as ça, puis tu as vraiment plus comme une communauté encore plus proche avec des investissements communs encore plus proches, là, justement. Ouais. Cool. C'est important parce que je pense qu'il y a certaines personnes pour qui c'est comme tout dans un gros paquet, là, t'sais, les éco-villages, c'est comme une seule grande affaire. Puis c'est important de comprendre qu'il y a vraiment différents niveaux et différentes possibilités. Puis même dans les éco-villages, il y a mille et une nuances là. C'est pas Ouais. parce que vous êtes déjà venu visiter la cité écologique que vous comprenez les éco-villages, là. Moi, des fois, j'arrive dans des endroits et je suis comme, ah oui, c'est un éco-village, mais oh, ça, c'est très différent. Ouais. C'est Ouais. ça. Ouais.
Parce que c'est ça qui est beau aussi là-dedans, c'est que les gens créent basé sur ce qui leur semble être le plus le nouveau monde dont tu parlais tantôt. Oui. Ouais. La version la mieux adaptée aux gens qui l'habitent. Comment cela fonctionne pour expérimenter dans une communauté éco-village des existantes afin de savoir si cela répond à nos attentes? Pouvons-nous y être hébergés et combien de temps? On a parlé un petit peu, mais... Ben, c'est un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure. Nous, on appelle ça notre programme de stage. Il y en a qui vont appeler ça du woofing. En anglais, souvent, on va entendre parler des Experiential Week qui peut aller... D'habitude, c'est entre 2 semaines et 3 mois. Les communautés, on aime beaucoup ça, voir des gens, mais toujours avoir des gens qui rotationnent, c'est un petit peu plus difficile. Fait que 2 semaines, je pense que ça permet aux gens d'apprendre à connaître le lieu d'accueil, puis vice-versa. Donc, 2 semaines, c'est intéressant. Mais pour savoir si vous avez envie de vivre dans un endroit, moi, je recommande toujours commencer par 3 mois, mais après ça, si possible, faites 1 an. Surtout au Québec, là, les 4 saisons sont très différentes et ça a un impact énorme sur nos rythmes de vie. Parce que l'hiver, c'est un autre cycle. L'été, c'est autre chose. L'automne, c'est les récoltes. C'est autre chose. Donc, avant de vraiment joindre, en tout cas, de mon expérience, là, 1 an, c'est toujours bon pour savoir dans quoi qu'on s'embarque. Excellent. Qu'en est-il des naissances dans les éco-communautés? Y a-t-il des hôpitaux? ça, c'est différent partout à travers le monde. Moi, je suis vraiment née en éco-village parce qu'à l'époque, là, si vous avez beaucoup suivi la médecine, vous allez savoir qu'à une certaine époque, vous allez savoir quel âge j'ai. On pouvait naître à la maison avec une sage-femme. Dans mon cas, c'est une sage-femme qui habitait la communauté, qui était membre ici et qui avait la permission de faire l'accompagnement des mamans. Par la suite, ça a été changé. Il y a eu l'apparition des maisons de naissance. Il y a eu des sages-femmes des maisons de naissance qui pouvaient aller dans les maisons. Mais il faut être à une certaine distance d'un hôpital. Fait que, trop en région, c'est un peu complexe. Donc, c'est différent. Dans chaque communauté que j'ai visitée, c'est différent. Mais j'en connais pas qui ont des hôpitaux. Mais il y a une place aux États-Unis où c'est le berceau des sages-femmes. Et ça s'appelle The Farm. C'est la dame qui a fondé la communauté, qui c'est sa profession. Alors, c'est dans cet éco-village-là qu'il y a le plus d'enfants qui sont nés. C'est The Farm au Tennessee. Wow! C'est intéressant. Donc, il y a Roald aussi qui nomme qu'il travaille à élaborer une communauté près de Oka à Saint-Placide, un éco-hameau sur 3 arpents au bord du lac des Deux-Montagnes. Présentement, un triplex solaire passif déjà construit que j'ai vu parce qu'on est allé le filmer à un moment donné. Très, très beau, très intéressant. À venir, 2 maisons type de solutionnera à 6 chambres. Total, 15 habitations. Me rejoindre sur Facebook. Donc, si jamais il y en a qui ont envie de lui parler, il a écrit le lien, il a écrit dans le chat, dans le fond, son nom Facebook, si vous voulez lui parler directement. Il dit qu'il est un artiste multidisciplinaire et multiculturel. Donc, si vous avez le goût d'aller voir ça. Sinon, je répète le groupe Facebook aussi que tu avais nommé. Donc, c'est Futur Éco-Village ou Futur Éco-Villageois ou quelque chose comme ça. Futur Éco-Village, je crois. Futur Éco-Village. Éco-Village, le groupe Facebook. Donc, si vous voulez aller voir ça aussi pour un petit peu de le Tinder du moment. Le Tinder du moment pour les éco-communautés. OK. Isabelle demande une nouvelle question. Puis après ça, je vais faire un dernier petit wrap-up par rapport à la formation et tout ça. Puis on va... Ça va être la fin, c'est la dernière question. Donc, comment gérez-vous les nouveaux conjoints, dates et visiteurs des membres? OK, je comprends les conjoints, mais les dates? Les dates date. Ah, j'imagine c'est date. Les conjoints, ah, oui, date les et dates. Visiteurs des membres. Ah bien, on est humain, donc c'est un aspect que chaque règle a ses exceptions. Et les conjoints font partie des exceptions. Donc, c'est sûr que c'est plus facile quand c'est un conjoint qui a un intérêt pour la communauté. C'est les stages,
On a beaucoup de nouveaux couples qui se sont formés par des stagiaires. Oui. Mais ça arrive que des gens se rencontrent autrement. C'est complexe quand les gens ne comprennent pas dans quoi ils s'embarquent. C'est parce que c'est pas parce que tu cherches une blonde que tu cherches un milieu de vie. Ouais, c'est ça. Donc, ça, faut quand même faut s'ajuster pour laisser le temps aux gens. Bon, COVID, c'est un petit peu plus complexe, mais mm-hmm. sinon, c'est. Je pense qu'il faut être humain. Oui, on a notre processus d'accueil de membres, mais les amis de cœur vont avoir certains petits passe-droits. Mm-hmm. Ouais. Puis en ce qui concerne les visiteurs, là, ce qu'ils demandaient, si par exemple tes amis ou ta famille veulent venir te voir et tout ça, comment ça fonctionne à ce niveau-là? On a des saisons que c'est plus ouvert. Là, c'est sûr qu'on ne se parle pas de la COVID. Là. La COVID, on a des normes différentes, là, comme partout au Québec. Tout le monde, oui. Mais sinon, on a quand même quelques chambres de visite. C'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas tous avoir une troisième chambre, une chambre d'amis dans nos maisons, mais on en a quelques-unes. Donc, il faut vérifier avec qui est-ce qu'on partage ces espaces-là. Avant d'inviter des gens, pour être sûr qu'on n'invite pas toute notre famille la même fin de semaine. Donc, c'est sûr que c'est bien de la communication, mais ça devient assez... ça prend un roulement assez fluide et assez simple. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'il y a des dates qu'on va proposer pour recevoir des visiteurs, puis on va avoir des dates qu'on va rester vraiment entre les membres si on veut faire des rencontres ou des choses comme ça. Mm-hmm. Puis encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est du cas par cas. Tu sais, il y a des éco-hameaux qui seraient juste une maison à côté de l'autre et donc tu peux faire venir qui tu veux, tu sais, ça par rapport. Il y en a qui c'est en co-living, comme nous, co-living, bien, on s'assure justement de communiquer si on a des visiteurs, puis on a une petite mini-maison quand quelqu'un vient, que les gens peuvent utiliser si justement le reste des gens dans la maison préfèrent plus rester tranquille ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, c'est de créer des espaces où est-ce que des gens peuvent venir, mais que si tout le monde est heureux de les voir dans la maison, c'est nous, chez nous, par exemple, là, donc c'est pas un éco-village au complet, mais dans un du co-living, où est-ce que, tu sais, parce que des fois, il y a des amis communs à tout le monde aussi, fait que là, tout le monde est content de les voir et donc on sans problème, mais des fois, quand c'est, par exemple, la mère ou le père ou whatever, puis que c'est pas qu'on veut pas les voir, mais que dans le fond, on ne les connaît pas ou des choses comme mm-hmm. ça, ou que les gens veulent une intimité avec ces gens-là. On a un espace pour les gens d'aller là et de laisser les autres espaces aux gens qui vivent là. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour certaines personnes, ils appelleraient ça comme un défaut. Moi, je trouve qu'il y a tellement d'avantages à côté que ça le vaut vraiment. Mais une des situations, c'est que tu ne peux pas juste inviter n'importe qui, n'importe quand. L'été, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a tout l'aspect être dehors aussi. Tu sais, fait que venir à la maison pour prendre une bière ou avoir du plaisir ou jaser ou tout ça, toutes les choses qui se font à l'extérieur, c'est parfait. Mais tu sais, l'hiver, où est-ce que tout se passe à l'intérieur, bien là, c'est là qu'il faut quand même communiquer pour pas que justement tout le monde amène des amis en même temps puis que là, ça devienne... Puis il y a certaines places où ça les dérange pas du tout aussi. J'ai des amis qui vivent en co-living puis tu arrives là-bas puis il y a 12 personnes supplémentaires que tu connais pas. Fait que ça peut marcher aussi, mais mettons, chez nous, c'est pas comme ça, là. Bien, ça fait partie des questions, justement, quand je dis l'élément clarification, c'est tout ça. C'est que tu as mille et une nuances. Fait que vous autres, en communauté, qu'est-ce que vous décidez puis où vous mettez votre ligne pour être à l'aise puis que cette cohabitation-là se fasse de façon la plus harmonieuse possible. Mm-hmm. Mm. Yes. Isabelle me pose la question, si on accueille des nouveaux membres dans notre communauté, présentement, nous, on est plein ici, hein, où est-ce qu'on habite, mais... on a créé ce qu'on appelle l'Oasis Sutton, et c'est pour des gens qui ont le goût d'essayer un style de vie qui est celui que nous, on propose pour le moment, qui est un genre de... la formule qu'on a décidé d'offrir est comme tout inclus, entre parenthèses. Donc, sur les lieux, il y a une voiture électrique partagée. Sur les lieux, il y a une cuisinière qui fait la nourriture bio, locale et tout ça. Et chacun a son espace de vie qui est une suite avec une salle de bain, une chambre et un bureau de travail. Et nous, on l'a créé pour des gens qui, justement, soit en télétravail, soit des entrepreneurs, soit des influenceurs sur Internet, des gens
pour qui avoir du temps, où est-ce qu'ils peuvent se concentrer puis savoir que l'environnement autour d'eux est sain, écologique, résilient et toutes ces valeurs-là qu'on prône, c'est fait pour eux, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur œuvre, leur projet, leur entreprise, leur projet d'éco-communauté, n'importe quoi qui est leur projet du moment. C'est comme un lieu qu'on a créé pour ça. Puis c'est en même temps le but d'expérimenter la vie avec d'autres gens, même si c'est fait d'une manière où est-ce que, en tout cas, moi, j'appelle ça co-living 2.0. Là, c'est vraiment, on a enlevé tous les irritants possibles ou presque. Fait que, après ça, c'est sûr que, tu sais, si tu veux t'irriter entre humains, tu peux toujours, là. Mais quand il n'y a plus de vaisselle, plus de ménage, que chacun a sa chambre et sa salle de bain, puis qu'il y a un salon zen avec un sauna infrarouge, puis une super belle étage complet pour partager avec les gens, avec une salle d'entraînement, puis tout, il n'en reste plus beaucoup pour s'obstiner, là. Fait que, fait que, on a créé ça. Si jamais vous avez un intérêt pour l'essayer, on peut vous mettre le lien, là. Cathy pourrait mettre le lien dans le chat Facebook où là, je pense qu'on vient juste là, ce soir, pendant que je finissais avec toi, Nevesna, Jess a terminé. Je crois qu'on est plein pour jusqu'à fin 2021, mais il va y avoir des places qui vont s'annoncer pour 2022. Et ça peut toujours valoir la peine d'essayer, là, d'appliquer si jamais, au cas où qu'il y aurait quelqu'un qui se retirait ou quelque chose comme ça. On les trouve où? C'est à Sutton. Donc, Oasis Sutton est à Sutton. Et on va en faire un à Eastman aussi. Il y en a deux en construction présentement à Eastman. Donc, Oasis Eastman, que vous allez entendre beaucoup parler à la fin du mois d'octobre, parce qu'on va faire un socio-financement pour aider ces projets-là à s'assurer qu'ils lèvent avec brio, même s'ils sont déjà très bien partis, mais on va avoir besoin d'un petit coup de main. Parce qu'en plus, ceux de Eastman, on a décidé de vraiment représenter le bâtiment du futur. Fait que c'est un bâtiment vraiment quand même impressionnant avec une serre de 600 pieds carrés intégrée, 72 panneaux solaires pour être en autonomie complète, incluant une voiture électrique, fait de bois et de chanvre, la totale de ce qu'on croit être le meilleur. Donc, on vous présente ça à la fin octobre avec un petit socio-financement. Mais sachez que les fondations sont déjà coulées. Donc, on est très contents. Il y a une autre question de Luc qui dit « Les anciens élèves auront-nous accès aux cours de Nevesna? » Donc, si vous êtes un ancien élève du membership, bien, vous pouvez réactiver votre abonnement très facilement en un clic et là, vous y avoir accès immédiatement. Si vous êtes un ancien étudiant du certificat en design de bâtiments écologiques, la formation ne fait pas partie de ça. Vous avez une heure avec Nevesna qui a fait une présentation sur les écovillages, mais vous n'avez pas le 5 heures qui vient de sortir, à part si vous sortez de la dernière édition, donc ED15, l'édition 15 qui finissait en fin de semaine. Si vous êtes dans cette édition-là, on vous offrait un bonus de 3 mois du membership, donc vous aurez accès pendant 3 mois. Donc, si vous êtes incertain, vous pouvez toujours nous contacter aussi. Cathy va pouvoir vous répondre si c'est le cas. J'ai une autre question de Gilles. Est-ce qu'il y a des communautés selon les croyances? C'est un bon point parce que souvent, c'est les valeurs qui rassemblent les gens, mais dans les éléments qui peuvent diviser les gens ou les rassembler, c'est les croyances, c'est sûr. Donc, souvent, on va partager des croyances avec les gens qui nous habitent, mais si la communauté veut vraiment suivre plus certaines pratiques communautaires reliées à différentes croyances, ben oui, ça peut arriver. Il y a des communautés qui vont être reliées autour de centres de yoga, de centres de méditation, de communautés autour du Vipassana, autour de l'Ayurveda. Donc, ça va dépendre. Encore là, ça peut être une belle façon de se rassembler si c'est quelque chose que vous avez envie. Et à mon avis, même dans ces communautés-là, il y a quand même certaines choses qui vont être facilitées, par contre, parce que justement, les gens vont avoir certaines croyances partagées, donc possiblement des valeurs plus proches. Il y a quand même beaucoup de discussions à avoir sur la vie en commun et clarifier les ententes au niveau, entre autres, des finances ou du partage des tâches, des responsabilités, tout ça. Donc, dans tous ces cas-là, c'est aussi important de clarifier beaucoup, beaucoup notre vision du monde. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis, je donne un exemple par rapport à notre co-living, par exemple, ici, où est-ce que, justement, les croyances ne sont pas, mettons, religieuses ou même philosophiques, mais nous, c'était autour du style de vie qu'on a envie de s'offrir.
Donc, il y avait un, tu sais, on a fait des longues entre nous pour trouver nos colocs. C'était pas genre, on fait une annonce sur Facebook, là. Il y avait un questionnaire à remplir. Après ça, on avait 3 entrevues. La dernière était en personne, une en groupe, une seule sur Zoom, une en personne. Et ce qu'on voulait s'assurer, nous, c'est que le style de vie était le même. Et donc, tu sais, même, je trouve ça intéressant parce qu'on aurait eu le choix entre, par exemple, des gens qu'on connaissait déjà, des amis, et des gens qu'on ne connaissait pas nécessairement, mais vu que les gens qu'on ne connaissait pas nécessairement, bien, premièrement, ça cliquait là, à travers les différentes entrevues, mais aussi, eux voulaient vraiment le style de vie que nous, on avait le goût aussi, et nous, on allait dans les détails, tu sais, justement, on se couche à quelle heure, on se lève à quelle heure, le bruit jusqu'à quelle heure, les invités, les visiteurs, mais aussi même, tu sais, nous, on avait le goût d'avoir une cuisinière à la maison, fait que c'était... puis nous, la seule manière d'avoir une cuisinière à la maison, c'est... que tout le monde la prenne. Parce que si c'est juste pour une ou deux personnes, ça coûte une fortune. Mais si c'est pour 5 personnes, on faisait les calculs la semaine passée pour décider les chiffres de l'Oasis Autumn. Et 3 personnes sur 5, ça leur coûte moins cher avoir une cuisinière à la maison que ça leur coûtait de ne pas en avoir avant, parce qu'on était 5. Puis, tu sais, encore une fois, tout bio, tout local et tout ça. Donc, mais ces choses-là, puis avoir un entraîneur à la maison, un entraîneur qui vient à la maison, mais si personne ne le veut, bien, ça revient trop cher, mais si tout le monde le veut. Donc, c'est toutes ces choses-là que nous, on avait une vision super claire du style de vie que l'on désirait, puis on cherchait des gens qui avaient le goût de partager ce style de vie-là. Donc, ce n'était pas nécessairement les mêmes croyances. Si on n'est pas allé dans les détails sur les croyances philosophiques ou religieuses ou quoi que ce soit d'autre, même si certains le feraient, puis c'est correct aussi. Mais fait que ça revient aussi, encore une fois, à qu'est-ce qui est le plus important pour nous, puis cette communauté-là qu'on essaie de créer, puis aussi, est-ce que c'est pour du temporaire, c'est-à-dire, tu sais, nous, on est conscient que c'est pas nécessairement nos colocs pour toute la vie, puis c'était pas l'objectif non plus, c'était du monde qui va venir passer 1, 2, 3, 4, 5 ans, une période de leur vie, puis que ça la donne bien dans cette période-là, mais que peut-être qu'un jour, ils vont passer à autre chose, puis on n'est pas du tout attaché à ça, tandis que d'autres communautés où est-ce que, tu sais, on achète un terrain ensemble, on achète des maisons ensemble, où est-ce qu'on ressent le besoin d'avoir un engagement un peu plus solide dans le temps, tu sais. Donc, Oui, bien, je ferai un pont là-dessus sur l'élément rassembleur. Ce qui va donner la couleur à la communauté, ça va être une chose que vous allez dire, on se rassemble autour de tout ça. Puis ça va être très important. Donc oui, dans certains cas, c'est des croyances, mais d'autres fois, ça va être des priorités. Oui. J'ai visité des communautés, que les autres, c'est 100% autonome ou 100% sans pétrole. Ça va faire toute la différence. Ça va teinter très clairement les activités au jour le jour dans la communauté. Mm-hmm. Absolument. Et on me demande, dans le fond, c'était la dernière question, parce que là, il y en a quelques-uns qui s'étaient rajoutés finalement, mais on me demande, c'est quoi le prix? Donc, le prix de la formation, elle est inclue dans le membership de Solutionera. Donc, on va vous remettre le lien une dernière fois dans le chat, juste avant de terminer. Donc, je pense qu'elle est encore là, Cathy. Si Cathy peut remettre le lien dedans, sinon je vais le remettre après. Ça va vous amener sur cette page-là. Et si vous n'êtes pas membre, vous avez juste à vous abonner au membership. Ça vous donne accès à toutes les formations à la carte de Solutionera, ainsi que la nouvelle formation de Nebesna. Vivre ensemble, celle-ci, dans le fond. Là, c'est une nouvelle formation à venir, mais à partir de ce soir, elle est là. Donc, elle n'est plus à venir. Elle est là pour vrai. Ça vous donne accès au gym virtuel aussi avec les différentes formations, les différents entraînements, yoga, tai chi, entraînement fonctionnel, danse méditative, etc., etc. Et plusieurs autres encore. Mastermind, webinaire à tous les semaines avec différents experts. Moi, une fois par mois, un expert par mois, plus des masterminds à chaque mois également. Ça vous donne une liste de différents intervenants professionnels et experts qui sont là. Et le prix, dans le fond, c'est 37 $ par mois. Et chaque dollar que vous investissez se transforme en points Solutionera, c'est-à-dire des points que vous pouvez utiliser pour faire nos formations plus avancées ou pour avoir des coachings. Ou même, par exemple, si vous voulez un jour faire l'Oasis Sutton, vous pouvez avoir ramassé jusqu'à 500 points Solutionera et vous pouvez, ça vous coûte 500 $ de moins d'aller à l'Oasis Sutton. Donc, vous pouvez utiliser vos points comme des dollars pour aller à l'Oasis Sutton. Ça va être la même chose à l'Oasis Eastman aussi, qui va être du court terme,
Mais si vous voulez aller passer une nuit, deux nuits, trois nuits à l'Oasis et semaine, vous allez pouvoir utiliser vos points pour aller là-bas également. Donc, au fur et à mesure qu'on développe différentes maisons, si vous voulez faire des visites de maisons écologiques, des trucs comme ça, tous ces services-là, vous pouvez utiliser vos points pour aller les faire. Donc, nos événements en direct, comme par exemple, demain, je pars au Spaceman pour donner une retraite de 5 jours à un groupe de gens qui sont là. Si vous voulez faire ces retraites-là, vous pouvez utiliser vos points aussi pour faire ces retraites-là. Donc, si vous avez un intérêt, c'est vraiment, c'est comme si c'était gratuit. Si vous voulez faire n'importe quoi avec nous dans le futur, c'est comme si c'était gratuit. Vous donnez 37 $ par mois et ça soutient vraiment beaucoup l'entreprise parce que ça donne une stabilité. Et vous, pendant ce temps-là, vous ramassez des points, vous avez accès à toutes nos formations à la carte. Et à la fin, si vous voulez faire des gros programmes, avoir du coaching, venir dans nos maisons écologiques, n'importe quoi, vous pouvez utiliser ces points-là pour déduire là, les différents frais qu'il y aura si jamais vous désirez faire ces événements-là. Donc, ça répond à la question. 37 $ par mois pour devenir membre. On remet le lien. Est-ce que, pour en savoir plus, le membership, oui, Cathy vient de vous le rajouter dans le Zoom. Vous pouvez également, on va le rajouter dans le Facebook, dans le lien Facebook. Et je crois que c'est ça qui va compléter. Il n'y a plus de questions. OK, le séjour à l'Oasis Sutton, bien, présentement, il est 2500. Il va être 3500, donc plus tard l'année prochaine, quand ça va être tout inclus. Mais c'est tout inclus, donc c'est le séjour à l'Oasis Sutton, c'est ça la question. Ça l'inclut, dans le fond, la voiture électrique, le logement, les entraînements, les formations aussi. Ça débloque toutes nos formations, incluant les gros programmes pendant le mois que vous êtes là. Tout est écrit sur la page qu'on vous envoyait tantôt, la page de présentation de l'Oasis Sutton, et c'est pour 32 jours. Donc, on voulait être dans du résidentiel, donc long terme. Donc, c'est minimum 31 jours. C'est pour ça que c'est des formations de 32 jours. Et c'est ça qu'on fait le format actuel. Un jour, peut-être que ce sera 1 à 6 mois, ou peut-être les gens vont quand même pouvoir venir 6 mois, 1 an, ou de quand même. Mais là, on savait qu'il y aurait beaucoup de demandes, fait qu'on veut que plein de gens puissent l'essayer, tester, voir. Puis ceux qui aiment ça puis que nous, on apprécie spécialement, pourront venir pour des plus longues périodes par la suite s'ils le désirent. Ou c'est aussi, on a fait ça aussi pour ce que nous, on appelle les créateurs d'Oasis, c'est-à-dire des gens qui aimeraient partir un projet comme ça. Ce qu'on les encourage à faire, c'est commencer par le vivre. En plus, dans ce mois-là, on fait une visite, une journée de visite complète où est-ce qu'on va voir les deux Oasis à Ismène en construction. On fait la visite complète de l'Oasis Sutton dans lequel vous vivez, dans lequel on vous explique tous les détails, les choix techniques qu'on a fait, les choix de construction. Et on va visiter mon Oasis personnel, ma maison personnelle, qui est un Oasis aussi, selon ces principes-là. Et on va visiter également la communauté de Fred, où est-ce qu'il va créer son propre Oasis dans 2 ans. Bien, pas cet été, l'autre, pas l'été qui s'en vient, l'autre. Mais qu'il y a déjà 4 maisons de construites sur ce terrain-là, incluant une en paille et une en chanvre. Donc, c'est super intéressant d'aller voir les différents modèles qui ont été faits là-bas. Donc, vous avez la chance de tout visiter ça, en plus de le vivre concrètement pendant un mois. Donc, selon nous, c'est vraiment une bonne manière d'essayer avant de se lancer dans un projet. On va également avoir des formations avec nous et Sébastien Vachon, qui est un investisseur immobilier qui nous a beaucoup soutenus dans ce projet-là, puis qui a l'idée, le projet de Sutton, pour vous expliquer toute la partie financière, comment réussir à faire un projet comme ça financièrement, pour que ce soit viable financièrement pour vous et pour les gens qui vivent à l'intérieur. Donc, sur ce, merci énormément tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Merci des mécénats d'avoir été là avec toute cette information-là, tellement pertinente. Merci. Ça fait plaisir. J'ai manqué. Je pense qu'il y a eu un petit délai. Vas-y. Ah, Jeff, ça fait plaisir. OK, cool, super. Et donc, à tous ceux qui ont envie, donc si vous êtes dans le membership, on vous encourage fortement à y aller dès maintenant. Si vous avez le goût, dès ce soir, commencez la formation, sinon dans les prochains jours. Et sinon, si vous n'êtes pas dans le membership, on vous a remis le lien en bas de la page. On vous encourage à venir vous joindre à cette belle formation, à ce beau membership, pour qu'on puisse ensemble en savoir de plus en plus sur le comment vivre ensemble, qui, en tout cas, moi, ma conclusion après quand même plusieurs années à innover dans le bâtiment écologique, c'est qu'il y a certaines choses techniques qu'on peut faire, mais il y a un moment donné où le vivre ensemble devient
chacun à son échelle, par contre. Hein? Comme l'a très bien dit Nebessina tantôt, certains, ça va prendre une grande échelle, certaines, ça va être plus du bon voisinage. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, mais de bien vivre ensemble devient une nécessité si on veut aller plus qu'un certain niveau, au niveau écologique, mais au niveau aussi qualité de vie. Il faut absolument apprendre à bien vivre ensemble puis partager certaines choses. Ça nous permet d'avoir accès à tellement plus pour tellement moins de temps, d'énergie, d'argent. C'est vraiment c'est exceptionnel à ce niveau-là. Alors, sur ça, est-ce qu'il y avait une dernière chose que tu voulais dire, Nebessina, avant qu'on se quitte? Merci beaucoup. Au plaisir de vous voir sur la plateforme. Yes. Et si vous lui posez des questions, elle va pouvoir vous répondre directement. Donc, c'est vraiment un privilège aussi parce qu'elle est très humble, mais vraiment dans ce domaine-là, elle est une sommité. Alors, n'hésitez pas à lui poser des questions et à de profiter de son expertise qui est littéralement de son âge. C'est-à-dire qu'elle a une expertise aussi longue que son âge au complet parce qu'elle est née dans sa profession. Donc, merci énormément, Nebessina. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Et à très bientôt aux membres du membership. On se revoit dans le prochain webinaire si vous avez le goût. Et sinon, il y en a quelques-uns parmi vous on se retrouve au Spa Eastman dans, pas demain, moi je prépare demain, mais on se retrouve mercredi. Et à très bientôt tout le monde. Bye bye. Ciao.